jours depuis que nous sommes dans le contexte de la crise sanitaire, le contexte du Covid-19, l'Université de l'État de Côte d'Ivoire s'est organisée pour apporter une réponse forte dans la lutte. J'espère que les structures sont en train de mener à l'école. Ici, nous avons mobilisé nos infrastructures de la formation à distance, mais également nous avons mobilisé votre Fab Lab, votre ordinateur, et apporté aussi des instruments de réponse. Et dans le cadre du Fab Lab, la village que nous avons ici, nous avons conçu, nous avons fait des recherches pour pouvoir concevoir des bases alternatives, n'est-ce pas, qui nous répondent à des critères de quoi améliorer pour pouvoir permettre à chacun de développer. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de présenter la deuxième initiative qui est un système simple mais assez efficace pour le lavage de mains. Nous le voyons tous depuis que nous sommes dans cette crise sanitaire. Les initiatives on est un peu partout, on voit un peu d'endroits, des seaux d'eau avec des ramenés. Là, chacun a sa manière de faire d'apporter les réponses. Mais au niveau du travail, nous avons essayé de faire un modèle un peu plus rapide. Nous avons fait des recherches au niveau de nos étudiants. Et aujourd'hui, nous avons ce modèle-là. L'eau de la vie, c'est le même élément, le plus jeune seau d'eau avec des seaux qu'on utilise. Envers ici on a un mécanisme qui est précis, n'est-ce pas, qui permet de, à l'aide de pédales, n'est-ce pas, on se sert du pied, on appuie, l'eau sort de ce côté, de cette pédale, de l'autre pédale, la pédale gauche, lorsque vous appuyez sur le savon. Donc ça vous permet vraiment d'avoir accès à l'eau, au savon, sans avoir à toucher un coton au bout. Donc ça supprime en fait les contacts. C'est un équipement assez simple, on va pouvoir faire la reste des gens qui sont là. L'idée c'est de montrer ce qu'on peut faire, un travail va être fait pour que nous puissions produire en plusieurs exemplaires et aider justement les différentes communautés. Ça peut être aussi pris par des particuliers pour qu'on puisse avoir ça à la maison. C'est un système vraiment simple mais en même temps sophistiqué.